Malheureusement, le football camerounais, si riche en talents, est de nouveau pollué par des querelles internes, de nouveau pollué par la querelle entre la FECAFOOT d'un côté, incarnée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports de l'autre. Tout a débuté au printemps dernier avec la nomination du Belge Marc Brice au poste de sélectionneur, au nez et à la barbe de Samuel Eto'o, qui n'a pas caché son mécontentement. Quelques mois plus tard, la crise reprend de plus belle à la veille des matchs contre la Namibie à Douala et contre le Zimbabwe à l'extérieur dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Bonjour Joël Wadem. Bonsoir Igor et bonsoir à tous. Joël Wadem, notre correspondant à Yaoundé. Je parlais de Douala pour le prochain match. Douala comme lieu de rassemblement pour les joueurs, selon la FECAFOOT, pour les prochaines rencontres. Le ministère des Sports préfère la ville où vous vous trouvez. Yaoundé, deux villes, deux pouvoirs pour un cirque qui a repris de plus belle. C'est ça, Joël? Oui, en fait, le prochain match se jouera plutôt à Garoua. Initialement, la FECAFOOT avait proposé le site de Douala. Site refusé par le ministre des Sports au prétexte qu'il y a de fortes pluies en ce moment à Douala. Et le ministre avait proposé Yaoundé, mais la FECAFOOT a demandé que le match se joue plutôt à Garoua. Mais alors, concernant le lieu de rassemblement, en revanche, là, on a repris de plus belle les querelles et les dissensions. Voilà, selon le programme de la FECAFOOT, les joueurs devaient arriver et se rassembler à Douala et devaient partir donc de Douala pour Garoua. Mais il se trouve que le staff technique nommé par le ministre des Sports est allé récupérer les joueurs à Douala et les a amenés plutôt à Yaoundé. Cela avec la complicité de l'entraîneur Marc Brice. Donc le rassemblement des 24 joueurs s'est plutôt déroulé à Yaoundé et la FECAFOOT mécontente a écrit aux différents clubs pour leur indiquer que les joueurs avaient déserté le regroupement. Et elle est allée plus loin en convoquant la sélection U20 qui était censée disputer le match de samedi prochain face à la Namibie. Donc là, on a presque deux équipes camerounaises A parallèles, c'est-à-dire qu'on a celle que le ministère des Sports veut bien chapeauter avec Marc Brice, qui a Yaoundé, et puis du côté de la FECAFOOT, on essaye de la remplacer pour cause de parce qu'on la trouve déloyale par l'équipe U20. C'est à peu près ça. C'est exactement cela. Samuel Eto'o n'a pas digéré le fait que l'ensemble des joueurs soient allés en stage à Yaoundé alors que le regroupement devait s'effectuer à Douala. C'est ainsi que hier soir, il a réussi à monter la sélection U20 et cette sélection U20 devait aller à Garoua. Mais le Premier ministre a tout stoppé, a indiqué que les U20 n'iraient pas à Garoua et que finalement, ce sont les Lions Indomptables qui se rendront à Garoua. Mais Samuel Eto'o, qui jusque-là n'a pas digéré l'affront, envisagerait de mettre sur le banc de touche des Lions Indomptables samedi prochain un collectif d'entraîneurs camerounais. Il ne souhaite pas que Marc Brice soit sur le banc samedi prochain. Et quels sont ses moyens d'action? Puisque, a priori, l'État, ministère des Sports, eux, continuent de conforter Marc Brice, qui, a priori, donc, dispose des joueurs qui doivent normalement et qui vont former l'équipe A. Qu'est-ce qu'il va faire? On va de nouveau avoir ces menaces de ne pas accréditer, ne pas faire entrer Marc Brice et son staff et les joueurs dans le stade de Garoua? Exactement. C'est encore la carte de l'accréditation que Samuel Eto'o voudrait dégainer. Donc déjà, sur l'affiche du match qui ira à la CAF, il s'arrangera à ce que Marc Brice et ses adjoints n'y soient pas. Et ce sont donc les entraîneurs qu'il aura mis en place, qu'il mettra sur la feuille de match, qui seront accrédités. Et ce sont eux qui devraient probablement être sur le banc de touche. À moins que le Premier ministre n'intervienne de nouveau pour remettre tout le monde dans l'ordre. Alors, petite note d'espoir, hein, malgré un contexte déjà tendu, assez similaire finalement. En juin dernier, eh bien, le Cameroun avait battu le Cap-Vert largement et avait obtenu un nul en Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, Patrick Juillard. Oui, il avait fait un excellent match contre le Cap-Vert, comme si ce contexte d'ébullition avait un petit peu transcendé les joueurs. On avait quand même eu Marc Brice sur le banc de touche. On avait eu Marc Brice sur le banc, on avait eu une équipe plutôt cohérente, des choix plutôt gagnants avec notamment le retour de Ngadeu en défense qui avait marqué un but. Et finalement, en Angola, qui n'est pas à prendre à la légère, qui sortait d'une excellente CAN, le Cameroun avait bien résisté, ramené un bon point. Donc, moi, à mon avis, Marc Brice, il va
se préparer en faisant abstraction de tout ça, même si ça paraît difficile. Et au final, il sera sur le banc et tout rentrera dans l'ordre. Eto'o, dans cette affaire, il défend un petit peu ses prérogatives à la manière qu'on lui connaît, c'est-à-dire en montant très vite sur ses grands chevaux ou sur ses grands lions indomptables. Mais là, en l'occurrence, son coup de menacer d'amener les Uvins à Garoua a plutôt fonctionné, puisque finalement, le gouvernement a, choisi Garoua, a tranché en faveur de Garoua, et donc là, maintenant, le Marc Brice et son sauf staff vont obtempérer et vont aller à Garoua. Quand il a voulu rassembler les joueurs à Douala, non, parce que le ministère des Sports est même venu les chercher à l'aéroport pour les amener à... Parce que le ministère et Marc Brice avaient, dès le départ, prévu un regroupement à Yaoundé, où d'ailleurs l'équipe s'est entraînée normalement hier. Nabil Djellit. Non, mais je vous écoute et je me dis, mais est-ce que je suis dans un monde parallèle, quoi? Je me dis, mais quelle absurdité, cette histoire. Vous êtes sur le continent, Nabil. Non, mais... En tout cas, il y a presque deux équipes parallèles. Non, mais on a le droit quand même, à un moment, de se dire, mais dans quel monde on est? C'est pas possible, quoi. Je veux dire, de continuer à offrir un tel spectacle qui est, pour le coup, qui ternit l'image du football camerounais et même continental, parce que il y a une lecture camerounaise, une lecture continentale, mais une lecture mondiale. Quand vous voyez que la viralité des images du conflit entre Eto'o et Brice a fait le tour du monde, c'est le seul angle qui a été utilisé pour parler du football africain en dehors de la dernière CAN. Sauf quand on parle des joueurs et des stars. Déjà, moi je trouve que ça, il faut absolument que ça cesse et que les différents acteurs prennent en compte leur responsabilité dans la dégradation et dans l'image véhiculée du football africain, parce que c'est pas que le football camerounais. À aucun moment on parle du match de foot, quoi. C'est un match de foot entre le Cameroun et la Namibie. On est en train de se perdre dans un jeu de piste. Attends, je suis là. Attends, où est Charlie? Je sais pas si vous connaissez le jeu. Je me cache là. Non, je vais jouer là. Tous les prétextes sont bons pour mettre l'autre dans la difficulté. Et je terminerai par: c'est une relation toxique. Et quand les relations sont toxiques, il faut se séparer. Il faut un divorce. Il faut se séparer. Et la dernière sortie de Marc Brice, notamment dans la presse belge, a pour moi été presque une faute professionnelle. Celle où il cartonne, entre guillemets, Samuel Eto'o. Eto'o, oui. Et Rigobertson, qui n'avait rien demandé au passage et qui s'est pris l'ancien sélectionneur et ancien capitaine. Nabil, ouais, Salut Diouf, voudrait, je crois, poser une question à Yvan Bondji. Absolument. Et pour cause. Vous, Yvan, en tant que passionné de football d'origine camerounaise, comment vous voyez tout ce marasme? Est-ce que ça vous touche profondément ou pas? Oui, effectivement. Déjà, je suis né là-bas, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans et demi, donc forcément, ça me touche. Et tout Camerounais aime le football. Et, bien sûr. Et je dirais que c'est un peu à l'image quand même du pays, où il y a pas mal d'approximations, il y a beaucoup de choses qui vont mal au Cameroun. Et voilà, comme on dit souvent, l'équipe camerounaise est le reflet du pays, du fonctionnement de la nation. Et je trouve que on se sabote tout seul, et on empathie. Là, on prépare pas le match, il y a que des problèmes dans les coulisses. Et n'oubliez pas, déjà, ça fait un moment que le Cameroun n'est pas bon sur le terrain. Même quand on a gagné la CAN en 2017, on a quand même réussi à trouver le moyen d'évincer le coach. Donc là, ça ira de mal en pis. Et sachant que les matchs sont des matchs à enjeu, donc on les prépare pas et on prépare pas les prochaines compétitions aussi, telles que la CAN ou la Coupe du Monde. Donc, bien sûr que ça me touche et je pense que ça nous touche. Tout Camerounais est touché. Il faut faire quelque chose. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'Eto'o parte. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire. C'est pas programmé, ça. Ah non, sachant qu'il est très caractériel. Et je pense qu'il veut faire tourner la montre, sachant que là, on va trouver une solution pour le match de samedi. Mais à la prochaine sélection, au prochain regroupement, ce sera la même chose. Il y a deux regroupements, un en octobre, un en novembre ensuite. Donc, préparez ça va être très intensif. Préparez le pop-corn, c'est pas terminé. En tout cas, c'est une saga. Beaucoup, ouais. Merci beaucoup, Yvan Bondji, pour votre position assez tranchée, très clairement exprimée. Et très courageuse. J'espère que ça vous attirera pas des ennuis avec le grand Samuel Eto'o. Merci, Joël Wadem, également pour avoir planté le décor de manière extrêmement claire. Est-ce que le conflit FECAFOOT UNICEF touche à sa fin? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce conflit. Mais avant de commencer, si tu mets des combats à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu,
N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si ce n'est pas une partie. Alors, le match Cameroun-Namibie va finalement se jouer à Garoua. Est-ce que le conflit entre Samuel Eto'o et le ministère du Sport, est-ce que ce conflit est enfin terminé? Les gars, je rappelle rapidement pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, Samuel Eto'o, il a gagné la bataille, au moins pour ce match contre la Namibie. Et du coup, on se pose la question, est-ce que ce conflit est définitivement fini? Il a fallu l'intervention du Premier ministre. Je rappelle ici que la FECAFOOT a convoqué les joueurs, puisque c'est la FECAFOOT qui convoque les joueurs. Les joueurs arrivent au Cameroun, les joueurs se dirigent à Yaoundé. Pourtant, les joueurs étaient censés être à Douala avec le président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o a même réservé l'hôtel. Il a réservé l'hôtel, sauf que de l'autre côté, le ministre avait également réservé l'hôtel. Lorsque les joueurs arrivaient dans le Cameroun, les joueurs se dirigent chez le ministre, c'est-à-dire à Yaoundé. Lorsque Samuel Eto'o met la pression sur le joueur dans un premier temps, il écrit d'abord à tous les clubs dont ces joueurs appartiennent, que vos joueurs qui sont venus en sélection ne sont pas venus chez moi. Et surtout lorsqu'il demande au U20 de rejoindre le staff à Douala, c'est là où ça met vraiment la pression sur le joueur qui était à Yaoundé chez le ministre. C'est comme ça donc que Samuel Eto'o était prêt à voyager avec les U20. Il était prêt à voyager avec les U20, les gars. Ce qui a forcé une réunion d'urgence avec le joueur chez le premier ministre. C'est le premier ministre qui a tranché tout cela en disant que voilà, le Cameroun est doté d'infrastructures. Donc, qu'on joue à Yaoundé ou à Garoua, si la CAF a décidé que le match se joue à Garoua, qu'on a joué à Garoua tout simplement. Au final, donc, le match se jouera à Garoua. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire? La première des choses, les gars, il faut toujours avoir un plan B. Samuel Eto'o, il a bien préparé son plan. Il savait très bien que les joueurs pouvaient le boycotter. Et il a anticipé cela. Il a anticipé cela dans un premier temps en prévenant les clubs de ces joueurs que, écoutez, vos joueurs ne sont pas venus chez moi. Vos joueurs ne sont pas venus chez la fédération. C'est comme ça que les joueurs ont eu peur qu'ils peuvent perdre les carrés. C'est comme ça que ça a obligé le premier ministre à convoquer une réunion d'urgence. Le plan B de Samuel Eto'o, c'était de jouer avec les U20. Quitte à perdre le match 3, 4, 5-0, mais au moins ne pas perdre ce tapis vert. Moi, je pense que l'équipe A, à l'occurrence ici, les 20 ans Aboubakar et le reste, ne s'attendaient pas à ce que Eto'o fasse appel aux U20. Ils ne voyaient pas Eto'o faire appel aux U20. Moi, je pense que c'est ça qui a mis la pression au long et longtemps. Au final, donc, on a tranché que le match va se jouer à Garoua. La question que moi, je me pose, qu'est-ce que Marc Brive va faire? Puisqu'il avait dit en amont que lui va jouer tous ses matchs à Yaoundé. Il avait déclaré qu'il va jouer tous ses matchs à Yaoundé. Comment Marc Brive va regarder Samuel Eto'o? Après avoir critiqué Samuel Eto'o dans un média belge, comment les relations entre les deux hommes vont s'apaiser? Puisque Marc Brive était persuadé que le ministère va gagner cette bataille-là. Samuel Eto'o et la FECAFOOT, ils ont vraiment donné une leçon à ces joueurs-là. Prochainement, lorsque les joueurs vont arriver au Cameroun pour jouer, ils ne vont plus jamais boycotter la FECAFOOT. Parce que normalement, lorsque les joueurs arrivent au Cameroun pour jouer un match, ils sont sous la responsabilité de la FECAFOOT. C'est parce que le ministère a voulu s'approprier des choses qu'on en est arrivé à cette situation. Après, partage-moi ton retour en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.